Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du titre Kaiju Wars, le titre que j'ai composé pour l'album United Guitars Volume 4, donc un titre funk, rock, fusion, un peu les trois, qui contient pas mal de parties guitare différentes avec bien sûr pas mal de techniques utilisées. Donc pour cette vidéo j'ai dû faire une sélection, j'ai sélectionné trois parties bien précises, le riff principal, donc le riff qui démarre le morceau. J'ai gardé la phrase rapide, un peu technique, qui clôture le thème avant que le riff principal revienne. Et j'ai gardé le riff du pont, donc le bridge, juste avant les solos guitares. Allez, c'est parti. Donc ce riff est basé sur la tonalité de fa dièse mineur, donc on va basculer entre le fa dièse dorien et le fa dièse pentatonique. Donc je démarre avec un barré en deuxième case sur les cordes de la et ré. Donc je fais suivre avec un hammer en quatrième case sur ces mêmes cordes. Puis je les rejoue. Donc ça c'est un peu une manière d'amener le power chord de fa dièse. Ensuite, mi grave à vide, hammer deuxième case, donc j'enchaîne cette partie deux fois. Donc là j'étouffe avec la paume de la main droite pour éviter que ça résonne. Donc c'est des hammer étouffés. Ensuite, ces quatre notes, donc corde de ré deuxième case, pull off première case, corde de la deuxième case, hammer 4. Donc en fait ces notes sont tirées du mode de fa dièse dorien. Donc. Donc cette première note, cette première case plutôt sur le ré, en fait c'est la sixte juste du fa dièse. Et c'est elle qui donne cette couleur justement dorienne à cette partie précise du riff. Donc 2, pull off 1, et ensuite sur la corde de la 2, hammer 4. Donc du début. Ensuite je recommence avec le barré en case 2, hammer 4, que je rejoue. Ensuite le mi grave, hammer deuxième case, une seule fois, parce qu'après je vais enchaîner avec une phrase qui est un peu plus longue, donc forcément j'écourte cette partie là. Donc cette partie 2 et 5 sur le mi grave, 3 et 4 sur le la, 2 slide 1 sur le ré et 2 sur le la. Donc en fait cette petite phrase là, c'est un mélange entre de la pentatonique de fa dièse avec la blue note ici. Donc ça fait quinte bémol, quinte juste. Retour sur cette sixte juste du dorien et je termine sur le deuxième case du la, donc la quarte. Ensuite je suis avec cette répétition, donc ça c'est simplement les notes de la pentatonique de fa dièse mineur, 0, 2, 5 et 2 sur le mi grave. Et ensuite j'enchaîne avec 3 power chords. Le ré, power chord en ré, power chord en la et power chord en mi. On est quasiment chez AC/DC. We'll be right back.
Donc cette partie de la vidéo, c'est un petit peu la partie la plus technique, on va dire. Une série de notes enchaînées assez rapidement. Je vais utiliser pour ce passage la technique de l'hybrid picking. Donc en fait, une technique qui consiste à jouer les notes avec le médiator, mais aussi avec un ou plusieurs doigts de la main droite. Et cette partie, en fait, ce passage est basé sur l'accord de mi majeur, avec une légère coloration mixolydienne, c'est-à-dire que je vais utiliser également des notes qui vont suggérer un ré majeur, avant de revenir au mi. Donc je démarre septième case du la, joué au médiator, avec un enchaînement sur le si, la corde de si en neuvième case. Donc là, c'est là que le premier hybrid picking intervient. Je joue cette deuxième note avec le majeur de la main droite. Donc 7 sur le la, 9 sur le si, et je glisse en 10. Donc là, en fait, je fais entendre la fondamentale, la tierce majeure et la quarte. Ensuite, avec l'annulaire de la main droite, j'enchaîne avec la septième case du mi aigu. Donc là, j'enchaîne deux pickings, deux finger pickings en fait. Donc ça c'est la quinte de mon accord de mi. Ensuite je joue la neuvième case du sol avec le médiator, donc ça c'est un retour sur la fondamentale, donc le mi. Donc au niveau de la main droite, médiator, majeur, slide, annulaire, médiator. Ensuite, je joue la douzième case du mi aigu, hybrid picking à nouveau, pull-off 7, et je rejoue le 10 sur la corde de si. Donc là, en fait, c'est fondamental, quinte et quarte de la corde mi. Une fois que j'ai joué cette dixième case sur la corde de si, je vais glisser sur la quinzième case de cette même corde. Donc là, j'atteins la note ré. C'est à ce moment-là justement qu'on peut entendre cette coloration mixolydienne. Le ré étant la septième mineure du mi, donc c'est là qu'on entend justement cette petite couleur. Donc je pars du 10, je glisse sur le 15, mi aigu 17, pull-off 12. Avant de revenir sur cette 15e case. Donc ça, en fait, c'est un petit peu les notes d'un arpège de ré 9. Est-ce que au lieu de mettre la tierce, j'ai mis la 9e. Oups. Donc du début. À ce moment-là, je reviens sur un arpège de mi majeur, donc 19e case du mi aigu, pull-off 16, hammer de la main gauche 17 sur si et 16 sur sol. Donc ça, c'est vraiment un mi majeur parfait. Ensuite, à partir de la prochaine note, je vais accélérer le débit, donc je passe en sextolé. Donc là, donc toute cette séquence, en fait, au niveau de la main gauche, je continue à jouer les notes de l'arpège de mi majeur. Et avec le tapping, je vais faire entendre une septième mineure pour le côté mixolydien. Encore une fois, c'est la note ré qui va intervenir. Donc pour ce passage, 17 cordes de si, hammer 16, hammer 19 sur le mi aigu. Ensuite, tapping 21, tapping 22 et pull-off sur le 21. Donc là, c'est assez ça demande pas mal de boulot pour justement jouer ce demi-ton là, placé sur ces deux frettes assez rapprochées. Une fois que j'ai fait ces deux notes, je redescends mon arpège de mi. 19, 16, hammer 17, hammer 16, slide sur le 13. Le 13, c'est la tierce majeure de mon mi. Et je finis sur le 14, corde de ré, qui est un mi, la fondamentale. Et ensuite, pour finir, donc ça, en fait, c'est un petit jeu. 13,
slide 14, donc en fait ça c'est la tierce majeure du mi qui glisse sur la quarte. Et ensuite sur le mi aigu, je fais l'inverse, je fais la quarte, 17e case, et je slide en 16 pour faire la tierce. Donc ça fait tierce quarte, quarte, tierce, tierce majeure. Voici donc le troisième et dernier exemple de cette vidéo. Le riff donc du bridge, le pont, juste avant le démarrage des solos. Un riff basé sur, encore une fois, la gamme de Fa dièse mineur. Donc ça va être un mélange entre Fa dièse mineur pentatonique et Fa dièse mineur naturel. Petite remarque, chacune de ces parties, chaque mesure en fait démarre sur un contretemps. Donc vous avez un quart de soupir au début. Et toutes les parties démarrent sur la deuxième double. Donc je démarre sur la corde de Ré. Quatrième case, pull off 2. Quatrième case du La. Et retour sur le 2 du Ré. Ensuite, même chose sur la corde de La. 4, pull off 2. Et je joue le 5 sur le Mi grave. Ensuite, hammer 2, hammer 4, je rejoue le 5 sur le mi grave. Ensuite, je rejoue ces deux notes sur le la dans l'autre sens, donc 4, pull off 2, et je termine par 5, 4 et 2 sur le mi grave, donc tierce, mineur, seconde et fondamentale, le fa dièse. Donc, je commence par un fa dièse ici, je termine par un fa dièse sur le mi grave à l'octave. La deuxième partie démarre de la même manière. Donc jusqu'au 5, là, je refais la même chose. Là, encore une fois, d'ailleurs, je réutilise cette partie. Donc 2, 4 et 5. Et 4 ici. Et c'est à ce moment-là que ça change. Donc, deuxième case du La. Troisième case. Hammer 4. Et deuxième case du Sol. Donc là, en fait, c'est la partie bluesy. C'est-à-dire, vous avez, avec cette troisième case sur la corde de La, c'est donc la blue note qui est jouée. La blue note du Fa dièse. Et la tierce mineure sur la corde de Sol. Donc là, il y a vraiment ce petit côté bluesy. Donc du début. Ensuite, la troisième partie, exactement la même que la première. Et la dernière partie est intéressante parce qu'en fait c'est une répétition du même geste mais en changeant les notes au niveau de la main gauche. Donc je fais intervenir des cordes à vide et des pull-off. Donc
Donc cette partie-là, c'est un petit peu la touche Nuno Betancourt, ou même Grégo un peu dans l'esprit, c'est-à-dire ses cordes à vide, palm mute avec des pull-off. Donc là, c'est le ré à vide que je joue avec une frappe vers le haut. Avec une frappe vers le bas, je joue la quatrième case du La. Et pull-off 0 sur la corde de La. Donc je fais cette partie deux fois d'affilée. Ensuite, j'utilise le même mouvement sur le La. Donc le La à vide joué vers le haut. Ensuite, le Mi grave septième case vers le bas. Et pull-off sur le Mi grave. Ensuite, je fais la même chose, sauf que le jeu est le 7, je joue le 4 du Mi grave. Donc ça fait La à vide vers le haut, Mi grave vers le bas, quatrième case et pull-off. Sur le Mi grave, 2, 4 et 2.